that I've never seen in my life. Tada! YouTube, Instagram, Facebook. Aujourd'hui, Vlogmas, un style Vlogmas avec Première Dame Look. Je vais vite fait décorer mon sapin. On a les enfants, il y aura des bruits et tout ça là. Donc, comprenez, mais je voulais juste vous montrer avant et puis je vais vous montrer après ce que ça va donner la décoration des 2019 sapins avec Adrienne. Donc, les sapins sont déjà plus gros, plus grand détail que moi. It's big, it's massive. So, on va décorer ça ensemble avec vous. Tous les détails seront dans la barre d'infos. Let's do it. Pour mon sapin 2019, j'ai choisi un gros sapin. De toute façon, si vous êtes ici en Angleterre, je l'ai acheté à B&Q. Boy, je ne savais pas que ça coûte absolument cher comme ça. Mais bon, je voulais juste un sapin unique, vraiment propre, pas assez saturé. J'ai choisi que deux couleurs, la couleur blanche et puis couleur gold. Donc, je me suis dit, alors à l'aventure, parce que je me suis, j'étais sur YouTube, j'ai regardé plein de vidéos comment décorer les sapins parfaitement. Donc voilà les accessoires que nous allons utiliser aujourd'hui. J'ai choisi les blancs et les gold comme je vous ai expliqué. Là je suis en train de mettre mes jeux de lumière. Donc ce sont des ampoules, des petites ampoules blanches. Je pense que c'est même 1000 ou soit 800 lampes que j'ai dans les sapins. Comme vous constatez, on est juste en train de les faire. Donc les budgets pour ces sapins, je vais vous dire pas moins de 250 livres. Oh my god, this is crazy. But I didn't know I was a bit of a Christmassy person. Je ne savais pas que la saison Christmas peut aussi, you know, me tenter assez comme un petit enfant. Voilà, je décore ça avec les enfants dans l'ambiance totale. Là, comme on dit, Christmas, Noël, c'est pour les enfants. Il y avait Daniel, David, toujours à côté de moi. Maman, est-ce que je peux t'aider? Maman, est-ce que je peux mettre? Maman, ils étaient là, pas comme un dérangement, mais comme ils étaient en train de m'aider absolument. We had fun. Parce que je pense que Christmas, c'est vraiment le moment de, you know, de passer des bons moments avec your loved one, tes amours et tous les enfants, la famille. Parce que vous savez combien je donne l'importance à la famille. Là, je suis en train de mettre doucement les snowflakes. Wow! That is the best heart I've never seen in my life. Oh, c'est les meilleurs cœurs que j'ai jamais vus dans ma vie. David s'est exclamé à fond, c'était vraiment very funny, mais ça me faisait énormément du plaisir. Cette année, je voulais juste entourer la maison de l'amour. I just wanted positive love. Je voulais juste quelque chose de l'amour, you know, parce que les fêtes de Noël, des fois aussi, c'est un moment pour beaucoup de personnes de tristesse, un moment de beaucoup de réflexion, un moment de beaucoup de choses, quoi. So I just wanted to bring love in the house. Je voulais juste m'entourer de l'amour. J'ai mis beaucoup de cœur dessus. J'ai mis des décos absolument bien. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que vous êtes fan de Christmas tree? Est-ce que vous êtes fan? Il faut me le dire de toute façon parce que I'm a big fan. Est en train de continuer, comme vous constatez, je suis en train de mettre les fake snow. Je voulais avoir un sapin avec l'illusion un peu frozen, genre hiver, il fait froid, les snow, la neige et tout. David avait absolument kiffé, Daniel aussi avait vraiment kiffé cette étape. Donc rien à dire, quoi. Okay. Ah! Ah! That's it.
Une photo sur Instagram première dame look. Je vous ai demandé est-ce que vous voulez voir la vidéo moi en train de décorer. Il y avait beaucoup de réponses. Voilà la raison pour laquelle je vous mets mes petites idées, mes petites décorations et tout. J'aime franchement une petite décoration propre, surtout pas trop saturé des couleurs, pas trop de mélange de couleurs. J'aime juste rester vraiment dans, you know, tout ce qui est chic, tout ce qui est like luxury. Voilà, les sapins, elle est adorable. Evaris avait adoré. Les enfants ont kiffé. Mes cousins sont venus ici à la maison. Ils n'arrêtaient de me demander, Tantine, est-ce que c'est toi qui as décoré cette Christmas tree ou soit tu avais des professionnels? Évidemment non, ce sont que des imaginations à force de regarder les vidéos cool sur YouTube. Est-ce que tu as déjà fait ta décoration des sapins? J'aimerais savoir quelles sont tes couleurs, quelles sont les couleurs que tu préfères et tout. En passant, je suis là sur YouTube, je suis de retour, j'ai eu un peu un moment. Donc ça va faire plus d'un mois, j'étais partie. Je voulais juste venir avec cette vidéo. Je voulais juste ramener l'amour sur tout mon sapin, vraiment. Les thèmes c'est l'amour, fresh love, fresh energy, positive vibe et tout. Donc voilà, comme ça vous allez me dire dans la description. Je sais que vous m'avez manqué énormément. Merci pour vos messages sur Insta et tout. We're back, we're better, ready for 2020. Nous sommes vraiment prêts pour 2020. Je vous laisse comme ça, vous allez regarder mes créativités, quelques décos que j'ai pu placer. De toute façon, si vous vivez en Angleterre, bon, de toute façon, vous pouvez trouver ce genre de déco partout, partout. Il suffit d'avoir une imagination. Ça dépend aussi de ce que tu veux créer. Vous ne pouvez pas voir Christmas sans la chanson de Silent Night. Douce nuit, c'est ma meilleure chanson de Noël. Meilleure, meilleure. Si j'avais une très belle voix, j'allais vous chanter Silent Night, all is bright. Ça veut dire tout est blanc. Oh my God, I love this song. Les gens qui vivent en Angleterre, est-ce que vous vous rappelez des X Factor 2007? Je pense 2006-2007, le jour où Alexandra Burke avait remporté son prix, la chanson qu'elle avait chantée, Silent Night. J'étais là, like 100% en train de pleurer. Can you imagine? Ça va faire plus de 12 ans passer par all the memories. Ok guys, I love you and I leave you here. Merci d'être là dans la chaîne. Merci de la patience. Il y aura une nouvelle vidéo bientôt. So stay tuned.